Peggy 32. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Big Pike Man. Alors, dans cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu... c'est une vidéo un petit peu spéciale. Alors, j'ai vu dans le fil d'actualité, là, sur Twitter, que Carole Quintaine avait fait un malaise cette nuit. Hein. Cette nuit, ils ont appelé les pompiers, elle est restée dans les vapes pendant 20 minutes. Waouh! Alors, Carole Quintaine en déduit, elle a eu aucun résultat ou quoi que ce soit, que ça cause du stress. Des harceleurs sur les réseaux sociaux. Waouh, ok. Alors, tiens, j'ai une petite question à vous poser, messieurs les influenceurs et les influenceuses, on va vous appeler comme ça. Ce que vous aimez pas, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous arrêtez pas de te dire « Ah, abonne-toi à mon Instagram, à mon Twitter, à mon TikTok ou quoi que ce soit. » Non, mais je sais pas, je vous pose une question toute bête. S'il y a des gens qui vous harcèlent, vous faites pas la promo pour vos réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, il faut être dessus, Ah ouais, hashtag drama, hashtag j'ai fait un malaise. Bon, alors tu sais, Carole Quintaine, même Julien Chiez, ils sont sur les réseaux sociaux, Et puis il y a des haters, des trolls, des gens qui les harcèlent, qui les insultent pour X ou Y raison, Et quand tu les écoutes, c'est-à-dire les personnes qui sont tout simplement visées par ces choses, ils se posent pas la question pourquoi, comment et le pourquoi. Tu sais, moi je vais t'expliquer un truc. Quand tu publies une photo sur Instagram et que sur Instagram, dans la photo, il y a un produit que tu fais, un placement de produit caché en mode soum-soum et que tu touches de l'argent, derrière, s'il y a des gens qui voient ça et qui t'insultent, voilà. Ou quand tu dis, depuis des mois, des années, des siècles, que la Terre est plate et qu'en fin de compte, la Terre est ronde, arrive un moment, tu sais, les gens, ils commencent un petit peu à en avoir ras-le-bol. Alors, je soutiens Carole Quintaine pour ce qui lui arrive, c'est-à-dire que tous les gens la harcèlent, l'insultent ou quoi que ce soit. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête ici. Alors, pourquoi tu publies ça sur les réseaux sociaux? Vu que tu dis que les réseaux sociaux, c'est nocif. Ah, c'est pour attirer la sympathie des gens? C'est pour jouer sur l'émotionnel? Oui, je pense un petit peu, tu vois. Moi, personnellement, les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas ma cam. Les réseaux sociaux, je ne suis pas dessus. Puis j'ai autre chose à foutre qu'à tweeter sur Twitter ou sur mon Instagram des photos quand je mange, je sais pas si où je mange ça. Puis tu sais, il y a un truc qui est tout bête. Tu sais. Quand les gens sont arrivés à un point où ils sont exaspérés de certaines choses, ils te le disent, tu vois. Il y en a, ils ont l'art et la manière de le dire, c'est-à-dire ils ont des arguments et tu vois. Et il y a des fois, il y a des gens qui ne savent pas comment faire. Donc ils t'insultent, ils te trollent, ils te mettent plus bas que terre. Alors je suis pas pour le harcèlement sur Internet ou quoi que ce soit. Les gens qui sont intelligents, tu sais, généralement, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils regardent pas, ils passent à autre chose. Voilà. Mais là, malheureusement pour toi, tu vois, venir dire que c'est à cause des réseaux sociaux que tu fais un malaise, je trouve que quelque part, c'est un petit peu aussi, malheureusement, un petit peu du foutage de gueule. Surtout 20 minutes, 20 minutes dans les vapes, c'est pas dû à cause du stress. C'est plus, tu vois, une baisse de tension, un malaise vingal ou vingal, comme tu veux, tu vois. Ou t'as pas mangé pendant... t'as pas mangé, t'as fait un malaise, tu vois. Ou à cause de la chaleur, s'il faisait très chaud, tu vois. Mais 20 minutes à cause du stress. Alors généralement, quand t'es stressé ou quoi que ce soit, tu vois, ça mine plutôt sur ton appétit, sur ta motivation. Enfin bon, tu vois, il y a des gens, c'est leur boulot, tu vois. Tu peux aller faire une psychanalyse ou même consulter. Mais tu vois, généralement, c'est pas trop ça. Alors moi, je te donne un petit conseil, tu vois. C'est un truc tout simple. Coupe ton téléphone, va plus sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, tu vois. Pourtant, vous avez une batterie de modérateurs. Moi, j'ai vu que vous aviez même des robots. Vous avez même des robots sur vos comptes. Dès qu'on dit un truc qui va pas dans votre sens, on se fait blacklister sur Twitter. Il y en a quand même certains messages qui passent. C'est la vie, c'est comme ça. Comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette.
Mais bon, afficher ça encore sur les réseaux sociaux, bah, s'en découle que tout simplement, ben, voilà, hein, t'arrives à te servir des réseaux sociaux pour, c'est-à-dire, gagner ta vie, hein, parce que les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux rémunèrent les influenceurs, vous savez pas, mais on vous le dit. Et puis, ben, quand il y a des gens qui te crachent dessus, tu dis c'est de la merde. Bon, moi, je sais pas, hein, faudrait savoir. Hein. Il faut être sur les réseaux sociaux ou faut pas? Bah voilà, quoi. Sinon, tu peux faire un truc tout bête, hein. Tu supprimes tous tes comptes, Instagram, Twitter, enfin. Parce qu'en plus, ils sont vérifiés, ils ont la validation, tu sais, le petit V à côté de leur compte, comme quoi que c'est les vrais, tu vois. Bah, tu supprimes tout ça, puis tu te déconnectes des réseaux sociaux. Ah, tu peux pas parce que t'en as besoin pour faire la promo de ta chaîne YouTube et tous les produits. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est... voilà, hein, c'est nocif, mais on en a besoin. Une petite dose, hein, sinon tu te connectes une fois par semaine, et puis voilà, tu vois. Enfin, bon, bah, hashtag, je te soutiens quand même. Hein. Dans le fond, mais pas dans la forme. Hein. Bon, moi, je dois vous laisser parce qu'il y en a qui doivent aller taffer. Hein. Allez, je vous laisse là, puis je vous souhaite une bonne fin de journée et amusez-vous bien.